Le tournoi du croiseur de combat a commencé. Sur une mer bleue turbo, les meilleurs bladers du monde sont prêts à relever tous les défis avec une seule idée en tête, prouver qu'ils sont les meilleurs. En mode turbo et au-delà. Vous y êtes? C'est ici que s'entraînent les fameux Raging Bulls. Oh. Eh ben, on peut dire que Fubuki a fait du chemin. Le croiseur de combat a fait escale aux États-Unis. Ça nous a donné l'occasion de rencontrer Fubuki qu'on n'avait plus vu depuis un bout de temps. À vos marques, partez! Fubuki est super doué. Fubuki était devenu l'élève du blader légendaire Shu Kurenai. Il était plein de confiance en lui et il nous réservait même une drôle de surprise. Et pour rendre les choses encore plus passionnantes, le dernier blader vient enfin de monter à bord. La nouvelle supernova des Raging Bulls, Fubuki Sommier. Incroyable! Il nous a tous stupéfiés en montant à bord en tant que 9e blader. Hyper vitesse! Finissons ça. Je vais t'envoyer valser, tu vas voir! Non, c'est moi qui vais vaincre Phoenix! Mais comment? Fai a réussi à nous vaincre, Fubuki et moi, au cours du combat royal. Mais c'est maintenant que les vrais défis commencent. Je vais leur montrer à tous que je suis le meilleur! Que le monde réclame, fais tourner ta toupie, prends part au combat. Hyper vitesse, mais et toute ton âme. Beyblade Turbo, la victoire est tout en vous. Overdrive explose tout, le guerrier gagne à tous les coups. Beyblade Turbo, tiens le choc, sois conquérant. Coopération. Bonjour les bladers, vous avez fait de beaux rêves. Le prochain défi sera un nouveau combat en équipe. Oh génial, on recommence. Cette fois je gagnerai. Souviens-toi que tu ne combattras pas seul. On ne peut pas gagner ce genre de combat si on ne collabore pas avec son coéquipier. Mais d'abord tu dois savoir avec qui tu vas jouer. Oui, mais je gagnerai avec qui que ce soit. Tenez-vous prêts! Je vais donner la nouvelle composition des équipes. D'abord, nous avons Iger Akabane et Fubuki Sumie. Oh, génial! Je fais équipe avec Fubuki. Ensuite, Suo Genji et Ranjiro Kiyama. Oh, je vais jouer avec lui. Xavier Bogart et Kayla Kim. Je fais à nouveau équipe avec toi. Et notre dernière équipe, Laban Bano et Eijin Ho. Quant à Fai, compte tenu de sa victoire lors du combat royal, il est dispensé de ce combat en équipe. Alors, on va combattre ensemble. Le premier combat opposera l'équipe de Xavier et Kyle à l'équipe de Suo et Ranjiro. Et lors du second combat, l'équipe d'Alger et Fubuki affrontera l'équipe de Laban et Eijin Ho. Voilà un beau programme. Attention, n'oubliez pas le nouveau système des étoiles. Chaque membre de l'équipe perdante se verra retirer une best star. Alors si vous n'en avez pas beaucoup, luttez de toutes vos forces. Hey, c'est de moi qu'elle parle? Dis donc, grand chef, tu vas vraiment faire équipe avec Suo? Parce que tu crois que j'ai le choix, peut-être? Si tu veux, on peut aller lui dire deux mots. Non, ça ira. Il n'est pas facile à gérer, mais si on veut gagner ce combat, il va bien falloir qu'on travaille ensemble. Allez, allons-y. Cool! On va leur montrer qu'on est la meilleure équipe de toutes. Bien sûr. Ça te plaît pas? On dirait que t'es pas content qu'on forme une équipe. Non, non, c'est pas ça. Je me disais juste que j'avais terriblement envie de faire payer à Fai la défaite qu'il m'a infligée pendant le combat royal. La prochaine fois qu'on s'affrontera, je gagnerai une Beastar. C'est un honneur et un privilège de faire à nouveau équipe avec vous, prince.
Tu dois savoir que je ne te fais pas confiance. Il y a quelque chose de louche chez toi. Mais nous avons tout de même gagné tous les deux, non? Des résultats pareils prouvent que nous formons une excellente équipe. Une seule victoire ne prouve rien. Mais je dois admettre que le sort semble être assez favorable. Après tout, ça fait deux fois que tu es dans mon équipe. Et je le répète, ce fut pour moi un plaisir, mon prince. Viens. Je vous suis, Majesté. Je dois absolument rester sur mes gardes. Un nouveau personnage risque soudain de sortir de l'ombre. Oh, c'est toi! Salut! Nous n'avons que peu de temps. Nous devons nous entraîner. Attends, regarde un peu ça d'abord. L'une de tes prédictions? Elle dit qu'il faut être sur ses gardes et qu'un nouveau personnage risque soudain de sortir de l'ombre. Et qu'est-ce que cela signifie selon toi? Je pense que nous allons probablement voir apparaître un nouvel adversaire. À moins, bien sûr, que ce ne soit toi qui comptes te retourner contre moi. Non, je serai ton allié loyal jusqu'à la fin. Aie confiance en moi au lieu de croire ces prédictions. Ah! Cette nouvelle prédiction le confirme! Tu es vraiment un allié loyal! Pourquoi l'histoire se répète-t-elle de la sorte? J'avais réglé mes comptes avec Fubuki. Sa fleur ne devait plus jamais éclore. Hey, salut, tout va bien? Et si on s'entraînait un peu, non? On va livrer un combat en équipe. Si tu veux gagner, je crois qu'on ferait bien de... C'est absolument inutile. Voyons, ce ne sont que Xavier et Kyle. Je suis parfaitement capable de vaincre Xcalius et Kerbeus sans ton aide, à condition que tu ne me gênes pas. Qu'est-ce que t'as dit? Fin de la discussion. C'est pas toi qui décides quand la discussion est finie. Je ne souhaite pas continuer à argumenter contre toi, mais si tu veux traîner encore un peu ici, ne te gêne pas. Non, mais j'y crois pas. Il a traité le grand chef comme un débutant. Laisse tomber, ça vaut mieux. Pour l'instant, il faut faire avec, on n'a pas le choix. C'est dur, mais c'est un combat en équipe. Et je veux qu'il monte dans l'arène pour donner le meilleur de lui-même. Hein? Sans ça, on peut dire adieu à la victoire. T'inquiète pas, je vais arranger ça. Je vais faire en sorte que Suo change vite d'attitude. T'es sérieuse? Ouais, ce sera pas facile, mais je ferai de mon mieux. J'ai l'impression que ça va mal finir. Eh, hey, bonjour, Suo. Tu sais, je revois encore cette journée, quand t'as fait irruption au milieu du gang des Wild Bay comme si t'étais le chef. Qu'est-ce qu'un mec du club de Beyblade fait dans notre QG? Alors, tu te souviens? C'est moi qui ai annoncé ta victoire. Je crois que je l'oublierai jamais. Fin du combat par chaos explosif. Suo Genji est vainqueur. Mon cœur battait à une telle vitesse. Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'étais super fort? C'est drôle, j'y pensais l'autre jour. Je veux que tu saches que je serai là pour t'encourager. Bonne chance, Suo. Fais de ton mieux tout à l'heure. Oh, ne t'inquiète pas. Je gagnerai ce combat en équipe, quel que soit le coéquipier qui me sera attribué. Mais en échange, puis-je te demander une faveur? Une faveur? Bien sûr. Quelle... Je veux que tu ne t'approches plus de moi! Il fallait vraiment que tu me cries dessus comme ça! C'est trop nul! Et chaos explosif. Tu es devenu beaucoup plus fort, Iger, bravo. Ouais, même chose pour toi. Mais tu n'as toujours pas réalisé quel pouvoir tu as en toi. Oh. Un pouvoir que j'ai vu de mes yeux dans le combat royal. Achilles brillait. C'est vrai? Oui, tu entres en résonance avec lui, n'est-ce pas?
C'est quoi la résonance? On ne t'en a pas parlé? Eh bien, maintenant que tu le dis, Faye m'a raconté un truc un peu semblable. C'est bien ce que je pensais. Alors c'est quoi la résonance? Oh, allez, c'est pas cool, explique-moi! Eh bien, si j'en crois ce que Shu m'a expliqué, la résonance permet à une toupie d'exploiter son plus haut potentiel et de devenir extrêmement puissante. Ouah! T'es sérieux? Et après ce que j'ai vu l'autre jour, je crois que tu possèdes cette capacité. Oh. La résonance! Encore dans le mille? Mais on ne devrait pas plutôt être en train d'élaborer une stratégie? Moi, je me concentrerai sur Iger. Et moi, je ferai quoi? Commence le combat en affrontant Fubuki, et quand j'aurai vaincu Iger, je t'aiderai. Ensemble, nous gagnerons le combat. Ça, c'est toi qui le dis, mais je sais que je vaincrai Fubuki avant que tu ne doives intervenir. Conclusion, c'est moi qui viendrai t'aider à la fin. Non, je ne veux pas de ça. Oh? Personne ne doit s'interposer lors de mon duel avec Iger. Je veux le vaincre seul. Seul. Tu es plus prétentieux que je le croyais. Triple sabre! Ce n'est guère impressionnant. Tu ne vas pas me dire que c'est là ce que tu peux faire de mieux? Votre puissance éclipse mes pauvres talents, Altesse. Oui, je te remercie, mais j'étais déjà au courant. Et par ailleurs, sache que je n'ai pas encore révélé ma vraie puissance. Pendant ce combat en équipe, je dévoilerai mon attaque spéciale, et vous serez tous stupéfaits. Tu parles bien de Sabre Tétra? Bien sûr que non! Même si elle est puissante, Sabre Tétra n'est qu'un hors-d'œuvre. Xcalius est toujours en train d'évoluer, et je te promets que le résultat final sera plus qu'étonnant. Et tu ne pourrais pas me montrer cette ultime attaque spéciale dès maintenant? Ton impatience fait plaisir à voir, et par ailleurs, je la comprends très bien. Je t'en supplie, si tu maîtrises vraiment une attaque plus impressionnante que Sabre Tétra, fais à Carbeus l'honneur de l'essayer sur lui. Si tu le veux vraiment. Qu'est-ce que c'est? Un peu de puissance additionnelle. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bien, allons-y. Je te présente ma nouvelle technique. Son nom, frappe des pattes à sabre. Un seul coup vient à bout de toutes les toupies. Elle est parfaite. Frappe des pattes à sabre? Oui, c'est assez étonnant, en effet. Fans de Beyblade du monde entier, attention! J'espère que vous êtes prêts à assister à un nouvel événement qui va marquer une mémoire! Les Bladeurs du Croiseur de Combat ont affronté bien des épreuves, mais aujourd'hui, nous allons les voir à l'œuvre dans un combat en équipe. Tandis que l'arène est préparée, je rappelle aux concurrents qu'ils sont là pour faire le maximum. On compte sur eux, et croyez-moi, nous allons vivre un moment absolument unique. Alors restez avec nous! Incroyable, vous avez vu? Fubuki fait équipe avec Iger. Montre-leur ce que tu sais faire. Le grand chef va faire équipe avec Suo? Tu crois qu'il va s'en sortir? Bien sûr, puisqu'il est le meilleur. Attention les amis, la fête commence! Pour ce premier combat, c'est l'équipe de Xavier et Kyle qui affrontera celle de Ranjiro et Suo! On est avec toi, grand chef! On a hâte de te voir ridiculiser Suo! Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Suo est son coéquipier, là! Peut-être, mais c'est mon ennemi. Et c'est aussi le garçon le plus prétentieux du monde! Ouah, c'est quoi ce truc, tu penses? Aucune idée. C'est sans doute destiné à augmenter la puissance de Xcalius. Et si c'est bien le cas, je l'affronterai avec ceci. Combat en équipe! À vos marques, prêts? 3, 2, 1... Hyper vitesse! On va montrer à ces deux-là ce qu'on sait faire! Typhon Octavor! Kerbeus vient de se faire sérieusement bousculer par la puissante attaque Typhon Octavor de Ranjiro! Ouais, bravo, grand chef, c'est toi le meilleur! Salamander! Quoi? Tu commences par ce mode-là? Écarte-toi de mon chemin!
c'est nul. Mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est pas un travail d'équipe, ça. Rock avant, accélère sur la rampe. Oui, continue comme ça. Je t'ai dit de t'écarter. Tu es fou ou quoi? Fonce, Excalius. Fonce sur tes adversaires. Oh. Grand chef, c'est pas possible. C'est la faute de Suo. Il est incapable de faire équipe avec qui que ce soit. Je vais remporter ce match tout seul. Salamander va maintenant s'attaquer à Calmus. C'est l'heure du héros, non? À toi de jouer, Excalius. Nom d'une toupie vacillante, Excalius a pris les choses en main et fonce pour lancer une nouvelle attaque. Oh, et voilà qui est fait. Salamander. Occupe-toi de lui! Anéantis-le avec pluie d'épée de feu! Riposte tout de suite avec frappe des pattes à sabre! Les vainqueurs de ce combat en équipe sont Xavier Bogart et Kyle Hakim. Frappe des pintes à sabre! Quelle superbe attaque de Breaker Excalius! Son pouvoir de destruction est immense! Frappe des pintes à sabre! Immense, c'est le mot juste! Je consulte ses données et quand cette toupie est parfaitement alignée, son pouvoir est sans égal! On a du mal à oublier ce premier match et pourtant c'est loin d'être terminé! Préparez-vous pour le second combat! Nous allons assister au clash entre l'équipe d'Iger et Fubuki et l'équipe de Laban et Eiji. C'est toi que je défie, Iger. Pas de problème, je suis prêt. N'oublie pas de te concentrer, Iger. Combat dans l'équipe. Tu es prêt, Fubuki? Et comment? À la marque, prêt? 3, 2, 1, hyper vitesse! Hercules, montre-leur ce qu'on sait faire! Résiste de toutes tes forces, Hercules! Oh! Achilles et Hercules se lancent dans la bagarre! Pendant ce temps, Pornius et Léopard semblent s'observer comme deux grands prédateurs! Vous avez vu Fubuki et Laban? On dirait presque qu'ils hésitent. Utilise frappe de l'archer! Pas si vite! Que tu envoies valser Achilles aussi? Hé, hey, on a gagné, pas vrai? C'est une victoire pour nous deux. Ouais, mais je voulais absolument porter le coup final! C'est exactement comme dans ma prédiction. Un nouvel adversaire est soudain sorti de l'ombre pour nous battre. Tu t'es laissé prendre par surprise, c'est tout. Rappelle-toi, je ne suis pas du genre à croire aux prédictions. C'est dingue d'être aussi obstiné. Nos combats en équipe sont terminés.
Voyons maintenant combien de Bestars ont récolté nos bladers. Faye en a 4. Alger, Xavier et Kyle en ont chacun 3. Fubuki et Laban en ont 2. Et Eijin Ho, Suo et Ranjiro n'ont maintenant plus qu'une seule étoile. Je n'ai plus qu'une seule étoile. J'aime pas ça du tout. Mais tout peut encore changer, alors ne renoncez pas. Nous avons mené un excellent combat. Oui, enfin parle pour toi. Si j'ai gagné l'affrontement, c'est uniquement parce que j'étais avec toi. Ouah, t'as vraiment changé pendant ton séjour aux States. Non, Iger, moins que tu te l'imagines. Tu sais, mon but est toujours de devenir le plus puissant des Bladers. Et ça, ça ne changera jamais. Fubuki. Si je suis venu ici, c'est pour vaincre tous les Bladers de ce vaisseau. Et un jour, c'est moi qui arriverai à vaincre Valtaoi. Dans un combat non officiel. Et cette fois, je compte bien lui donner une leçon. Et vous savez quoi? Le prochain match officiel sera un combat en 3 temps. Ça va être épique, c'est moi qui vous le dis. Je me demande qui tiendra jusqu'au bout. Dans le prochain épisode de Beyblade Burst Turbo, un combat en 3 temps. 3, 2, 1...